Ah mais là c'est une petite vidéo, putain, j'en ai marre, sérieux, je suis trop con. Oh mais. Ouais, je fais attention tout le temps, mon genou, tout le temps. J'arrive en bas de la côte, j'arrive aux cabines, je mets un petit coup de frein avant, le truc il part, l'avant il part. Sur le espèce de revêtement en balsa, en bois, en sciure. Et au moment où je mets le talon, je me suis fait mal depuis 3 semaines. Et ben c'est le grillage que je me prends, bam, dans le pied. Putain. Alors la première descente, mon petit pépère, t'as loupé le premier saut. Enfin, t'as fait le premier drop. Trop fort d'ailleurs. Parce que t'as pas pu enchaîner avec le drop de 3 mètres. Donc nul, à chier. J'ai préféré éviter le petit caillou. Enfin. Ou y aller tranquille. Et être bien dans la trajectoire du drop. Pour sauter. Après c'est easy. On est bien. Et même largement bien. Mais il y a toujours cette bosse, j'arrive pas à prendre. Alors je sais que j'ai pas assez de vitesse. J'ai 100 kg à faire décoller, mais il y a une espèce de compression avant. J'en ai là. Je vais essayer de vous la filmer là. Je vais juste la filmer elle. Me la filmer pour voir. Mais en tout cas, je suis content de mon vario. Putain, attends. Franchement, tout le monde le regarde. Ah, mais c'est quoi ce truc d'il y a 20 ans, ma gueule? Ouais, 60. Par contre, t'es mal. Ah, chauffe la réparation, putain. Shimano. Un VTT pliant. J'ai qu'une vitesse. Je sais même pas si les pressions sont bonnes, si la fourchette est bonne. Il fait des bruits. J'ai mis frein avant neuf. J'ai réglé pression frein arrière. J'ai pédale neuve, poignée neuve. Ce changement, c'est pour mon TQ. Fourche de 100 mm, mais un boom burn, alors putain. Irréglable. Et au moins je crève pas, putain. Ils sont tous en tubeless là, 27, 28, 29. Ils crèvent tous. J'ai remarqué qu'ils étaient sous-gonflés, sa mère. Moi je suis en 26. En chambre à air. Il y a un mec qui est remonté du lac des Prés à côte 2000. 3 fois. Il a loué le vélo de la journée. Putain, t'es content. 80 euros de la location de la journée. Moi, j'ai payé mon vélo 150 euros. Ouais, que bon, au final, ça m'avait coûté un bras en fait. Hein. Équipement, tout machin, je dirais pas le prix, mais c'est finalement. Mais tout l'équipement, hein. Finalement, le prix d'un vélo. Où j'ai rien à faire, super bien réglé, mais en carbone. Et franchement, sur les pistes de Villard, bah, j'aurais un carbone ou un truc comme ça, j'irais, mais trop pas. Mais vraiment pas. Il serait déjà fissuré le cadre. Ça fait du bien. Bon, les petits loups, on repart à la sauce. C'est un faux coup de gueule en fait. Je vais me concentrer dans le tempo. Dans le tempo. Dans le tempo, toujours dans le tempo.